monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous donner l'heure à laquelle je vais poster les vidéos à partir du 1er février, donc à partir de vendredi prochain. Donc je commencerai avec mes favoris du mois de janvier. Donc voilà, et après je vous montrerai les box, donc la Birchbox et la Glossybox du mois de janvier. Parce que sinon, eh ben, ça va décaler sur février et ça sera plus dans le thème. Voilà. Donc on sera plus dans le mois et ça n'ira plus. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir répondu à ma question. À quelle heure vous préféreriez que mes vidéos soient postées? Si c'était plutôt 10h ou plutôt 18h. Voilà. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps voilà, de poser le pour et le contre et j'ai surtout pris en compte ce que vous m'avez dit. Voilà, ce que vous m'avez proposé. C'est vrai que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur, sur YouTube, on va dire c'était du à 60%, c'était 18h. Voilà, donc ma décision est prise, je ne changerai pas, voilà, j'ai pris ma décision. Donc à partir de vendredi prochain, donc du 1er février, les vidéos seront postées à 18h, le mardi et le vendredi. Et le dimanche, quand je mettrai des vidéos en ligne comme celle-ci, ça sera à 10h. Donc bon, c'est assez rare, mais j'en mets une de temps en temps. Et voilà, donc j'ai pris cette décision parce que mon but c'est quand même de m'adapter aussi à vous. Moi ça me convient parfaitement également. Et voilà, donc j'espère que celles et ceux qui ont dit 10h ou à midi ou à 16h, voilà, ça va pas vous vexer, hein, voilà. C'est juste que... pour moi, pour la praticité, et puis en même temps, c'est vrai que si je suis un peu juste en timing pour mettre en ligne la vidéo, je sais que je peux la lancer le matin et qu'elle sera prête pour le soir. Voilà, donc je me suis dit que c'était pas mal aussi. Donc voilà, annonce faite. Et puis maintenant, on va parler des box du mois de janvier. Donc j'ai reçu en tout premier, j'avais reçu la Birchbox qui se présente là-dedans, dans un pochon vraiment, vraiment sympa. Donc avec un petit nœud comme ça, avec un petit truc pour refermer. Donc franchement, il est trop mignon. Donc le thème en janvier, c'est le green. Voilà, donc spécial box, vraiment, on est vraiment sur du bio... à fond les ballons. Et ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais vous présenter par rapport à ce qui est sur le petit livret. Donc tout d'abord, on a la crème douce démaquillante, nettoie et démaquille, adoucit, restaure, donc de chez la marque Absolution. Je ne connais pas du tout, moi je suis pas du tout bio, mais alors pas du tout. C'est un des produits que si j'en achète et que, enfin, si j'aime bien le produit et que c'est du bio, tant mieux. Je vais pas acheter exprès du bio. Voilà. Donc moi je suis pas trop portée là-dessus, mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir des produits comme ça. Donc pourquoi pas à tester. Ensuite, on a eu un crayon de la marque Boho, Boho Green Makeup. Donc un jumbo pour les yeux. Comme ça, cuivré, marron cuivré, il a l'air très très beau, oui. Alors ça je dis oui, hein, vous voyez, que ce soit bio ou pas, bronze, c'est pas cuivré Audrey, c'est bronze. Donc voilà, c'est très très joli, franchement très très joli, ouais. Donc pourquoi pas, franchement, ouais. Ça permet, voilà, de découvrir certains produits. Ensuite, j'ai eu de la marque Natura Siberica le Volumizing and Nourishing Shampoo. Donc un shampoing volumateur et nourrissant. C'est pas mal. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même des produits qui sont complètement adaptés à mon type de cheveux, hein, parce que c'est exactement... c'est exactement ce que j'ai besoin. J'aime beaucoup l'odeur.
Donc ça, c'est pas mal, hein. 99% d'origine naturelle. Voilà. Né en Sibérie, fabriqué en Europe. Donc c'est cool à tester. Donc l'avantage, c'est qu'il n'a pas de parabènes, pas d'huile minérale, pas de PEG, pas de sodium lauryl sulfate. Voilà, après, moi c'est vrai que j'achète des shampoings enfin, classiques, quoi, en grande surface, mais ça me permettra vraiment de tester autre chose. Ensuite, j'ai eu, alors, je trouvais ça trop original, j'ai eu une brosse à dents green et un dentifrice. Donc dentifrice à la menthe fraîche, donc voilà, c'est Birchbox hein, qui propose ça. Et pareil, donc ça c'est The Humble Co. Et la brosse à dents c'est pareil, Humble Brush. Donc c'est une brosse à dents en bois, voilà. Je l'ouvre pas parce que j'aimerais bien la garder intacte jusqu'au jour où je l'utiliserai. Parce que moi j'utilise une brosse à dents normale en plastique chez mes parents. Parce que sinon j'ai une brosse à dents électrique chez moi. Voilà, mais ça, voilà, j'aurai l'occasion de la tester bah, quand la mienne chez mes parents sera décédée. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment bien. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est cool. Ensuite, pour finir, ouais, pour finir, une crème corps Bellanoté de la marque Villa Botania. Une crème pour le corps, pardon, à la fleur d'oranger. Donc c'est cool parce que j'adore la fleur d'oranger. Alors ça c'est bon truc. On sent à travers parce qu'il y a un petit opercule. On sent à travers la fleur d'oranger. Alors j'imagine que quand je vais l'enlever ça sera une explosion de senteurs. J'adore la fleur d'oranger. Donc voilà pour la Birchbox. Que dire? Eh ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ah mais si j'ai autre chose. Ah si, j'ai eu une infusion des marmottes, ça je connais, les marmottes, j'habite à la montagne, je sais ce qu'on sait. Vous allez vous reposer sur leurs quatre oreilles, donc voilà, c'est cool, une petite infusion, donc ouais, et ben voilà, une bonne chose. Bon, en tout cas, le thème est complètement respecté. Les produits sont vraiment sympas et c'est ça que j'aime bien chez Birchbox parce qu'on est vraiment... tu remplis le questionnaire pour voilà, par rapport à ton type de peau, type de cheveux, tes goûts et tout. Et il s'adapte vraiment quoi. Donc ça que je trouve bien. Et puis les thèmes sont vraiment sympas. Alors certes, c'est considéré comme des tailles voyage ou petite taille. C'est pas des full size. Quelquefois on en a, comme le crayon par exemple. Mais je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc ça permet vraiment de découvrir des nouvelles choses. Et pour information, vous avez mon lien de parrainage qui est juste en dessous. Et si vous vous abonnez, vous avez un petit bon de 10€ qui est valable sur le site de Birchbox. Voilà. Et pour information, les abonnés Birchbox ont 15% sur toute la boutique Birchbox. Et vous avez plein de marques, entre autres MAC, Bobby Brown. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais ça, voilà, au moins vous savez. Donc si vous voulez vous abonner via mon lien, il est juste en dessous en barre d'infos. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas le thème est complètement respecté, ça c'est sûr. Tous les produits sont vraiment sympas. J'adore le crayon, franchement il est trop beau. Le démaquillant, la crème démaquillante, c'est pas trop mon style parce que j'aime pas trop me démaquiller avec des produits comme ça en crème. En plus il faut humidifier le visage avant, j'aime pas trop. Mais bon, pourquoi pas, hein, on sait jamais. La brosse à dents, le dentifrice, bah, ça on a toujours besoin. Donc voilà, je pense que là il n'y a rien à dire, c'est une bonne idée. Le shampoing c'est cool parce qu'il respecte complètement mon type de cheveux. Donc à tester à 100%. Et puis la crème pour le corps c'est pareil, c'est ce que j'aime. Et l'odeur c'est ce que j'aime. Donc oui, moi je dis oui. Donc voilà pour la Birchbox. Donc écoutez, je suis encore très contente ce mois-ci et je reste abonnée bien entendu. Et la deuxième box, et ben c'est toujours la Glossy Box. Voilà, je suis toujours abonnée depuis longtemps. Et le thème c'est Strong and Beautiful. Voilà. Donc pareil, on va voir. On va voir par rapport au magazine. Alors,
Donc la boîte, elle est classique. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose ce mois-ci. Alors, on a un masque mandarine Goldust. C'est pas écrit en français ? Marine Goldust Sheet Mask. Bon, c'est pas écrit en français, mais c'est un masque en tissu. Voilà. Donc, c'est la marque Vita Mask. K-Beauty. Donc, et ils disent quoi? Il faut laisser poser 10 à 20 minutes. Donc, c'est un produit full size. Il coûte 7 euros. Les autres, je vous ai pas dit les prix parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément. Les prix que j'ai dans le magazine, c'est les prix full size. Et à chaque fois, j'ai pas le full size, donc c'est un peu plus compliqué. Mais là, je peux déjà vous dire, voilà. Et donc ça, ça vient de Corée. C'est un masque hydratant haut de gamme qui contient une dose généreuse de sérum nourrissant et de véritables éclats d'or. Ah bon. Pourquoi donc? Pourquoi vous avez fait ça? Aucun intérêt, mais bon, pourquoi pas. Et traitement royal à votre visage. Voilà, routine, grain de peau affiné, apaisé, hydraté, tout en prenant un bain, regardant des stories ou les deux. Bon, bah moi ça sera regardant une série sur Netflix. Je pense que ça sera plus ce délire là, mais c'est cool. Donc à tester. Ensuite, de la marque Baija. Donc moi j'aime bien cette marque. Un gommage French Pompon. Voilà. Rose Litchi. Ah, j'aime pas la rose, mais bon, c'est pas grave. Gommage corps. Donc là, on a un. On a combien d'ml? On a 50 grammes. Voilà. Donc c'est un petit format. Et donc ça, voilà, c'est un gommage tout simplement. Mais alors. J'ai peur de l'odeur. Rose Litchi. On sent quand même bien les deux. Mais bon, pourquoi pas. À tester. Parce que moi, je déteste l'odeur de la rose. Mais avec le litchi, je testerai. J'ai peur que mon estomac voilà, ne supporte pas. Parce que moi, la rose, ça donne envie de vomir. Ensuite, de chez Benefit, j'ai eu un 24 heures Brow Setter. Donc, c'est ce produit-là. Donc, c'est pas un full size. Voilà. Donc ça c'est un 2 ml. Le full size normalement il fait 7 ml. Et donc c'est un gel fixateur transparent. Ah ça c'est cool. J'adore les fixateurs transparents. Les gels fixateurs transparents. Ah oui la brosse est vraiment sympa. Regardez. J'aime bien. Bon bah c'est cool. Par contre, ça sent méga fort. Ah, il y a un côté qui est un peu plus picoté que l'autre. Bon. Eh ben, à tester. À tester parce que moi, j'aime beaucoup les gels transparents. Et voilà. Donc, ils disent qu'il faut appliquer le gel de la racine à la pointe des sourcils. Donc, voilà. Et apparemment... Ah, utilisez les picots courts pour sculpter les poils et leur donner la forme que vous désirez. Pas bête, donc voilà, à tester de chez Benefit, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite de chez Dermophile Indien, un baume réparateur apaisant. Alors ça c'est trop bien parce que moi j'ai le Dermophile Indien mais pour les mains et j'adore l'odeur Dermophile Indien. C'est une odeur qui me rappelle mon père parce que mon père était charpentier zingueur. Bon maintenant il est à la retraite mais il avait tellement les mains abîmées l'hiver avec les crevasses et tout. Il mettait tous les soirs le gros tube de Dermophile Indien. Donc moi je m'en suis acheté et à chaque fois que je m'en mets ça me fait penser à mon père. Et donc c'est une odeur voilà, que j'associe à mon père. C'est marrant mais c'est vrai qu'on associe des odeurs à une personne et là c'est le cas. Et donc voilà je suis contente d'avoir le stick pour les lèvres. Parce que j'adore l'odeur et voilà, c'est une odeur pour moi qui est très familière. Donc c'est cool. Donc c'est un full size, il coûte 4 euros. Donc voilà, et donc j'ai eu la version classique. Donc ça, je suis très contente. Et pour finir, de la marque Avant, ou Avant, je ne sais pas si on peut dire à l'américaine ou à la française. On va le faire à la française. Avant, donc...
C'est un full size aussi. Cool. Non. Si, c'est un full size. 112 euros. C'est une blague. Ah ouais. Ok. Alors ça, je peux te dire que... Ça, c'est the best surprise, là. Parce que 112 euros, quoi. Bah, punaise. C'est cher. Donc, de luxe, hyaluronique acide. Donc, à base d'acide hyaluronique. Ah, mais c'est un truc de fou. Tous les soirs, appliquer une fine couche sur le visage et le cou ou le contour de l'œil. Et ou le contour de l'œil pour une peau plus lisse et repulpée au petit matin. Donc, ils disent que c'est pour lutter contre les premiers signes de l'âge. S'assurer un teint plus uniforme et des pores resserrés jour après jour. Voilà, donc acide hyaluronique, eau de mer, vitamine B3, riche en magnésium, potassium et calcium. Voilà, vous aviez la peau terne et le contour de l'œil trop fatigué, ça c'était avant. Ouais, bah tu m'étonnes, à 112 euros. Ah ouais, crème somptueuse, vivifiante, visage et regard de nuit à l'acide hyaluronique. Bah alors ça, je peux vous dire que je vais l'apprécier ce produit-là. Bon, on sent pas trop parce qu'il y a également une opercule. Donc, à tester aussi. Donc, ouais, alors ça, franchement, belle surprise. Si c'est le vrai prix, bon, je pense pas qu'ils aient menti, hein, aucun intérêt pour eux. Donc, voilà. Alors, strong, beautiful. Strong and beautiful. Donc, forte et belle. Belle et forte. Qu'est-ce que je peux dire sur ce thème? Et bah écoutez, vous savez quoi, j'aime tous les produits parce que ce sont des produits que je vais utiliser sincèrement. Donc le masque, ça c'est cool. Voilà, c'est des produits qui s'utilisent très facilement. Le gommage pour le corps, bon bah c'est pareil, c'est un produit qui s'utilise facilement. Après bon bah certes l'odeur de rose c'est pas trop mon truc, mais les deux mélangés, pourquoi pas. Le gel à sourcils transparent, bah oui carrément, je suis fan. Le dermophile indien, moi je mets du stick à lèvres tous les jours, donc celui-ci ça sera pour le soir et tout, donc oui, je dis oui. Et ça, eh ben, vu la peau que j'ai besoin d'hydratation, parce que le contour de l'œil qui est quand même assez déshydraté, et bah, premier signe de l'âge, déjà à mon âge, j'ai quand même 38 ans, donc forcément c'est des produits que j'utilise et dont j'ai besoin d'acide, enfin voilà, l'acide hyaluronique, donc ça aussi je dis oui. Donc bah écoutez, et bah la Glossy Box pour ce mois-ci elle me fait 100% aussi, donc je suis très contente des deux box. Ouais, et la Glossy Box elle est vraiment sympa, et là ils ont fait fort parce que les prix des produits est quand même, on est sur des produits haut de gamme avec des prix plutôt élevé, donc on peut dire que les 15,50€ de la box, ils sont largement rentabilisés, et encore un mois où je suis contente. Donc c'est pareil, si vous voulez tester une Glossy Box, vous abonnez, vous avez également mon lien parrainage qui est juste en dessous, et là par contre c'est en général on est beaucoup sur des produits full size et toujours 5 produits, et on va dire qu'on est souvent sur du minimum 3 full size, et donc voilà, encore une belle box pour le mois de janvier, donc c'est cool. Et la Glossy Box, il y a toujours un teaser à la fin, et forcément qui dit mois de février dit Saint Valentin. Alors le mois de février ça sera le thème It's All About Love, donc il y a de l'amour dans l'air. Votre deuxième Glossy Box de l'année commence avec un sourire, frappe en plein cœur et met tous les sens en éveil. Avec ou sans Valentin, une chose est sûre, vous allez resplendir à l'intérieur comme à l'extérieur. Au fond, quoi de plus réconfortant qu'un amour sincère et inconditionnel? En couple, entre potes ou en famille, on compte bien le faire rimer avec humour, liberté et zéro tabou. Donc voilà, j'ai hâte de la découvrir. Et ouais, donc voilà, bah écoutez, ce mois-ci, je suis satisfaite de mes deux box. Donc c'est cool, je suis trop contente, mais sincèrement trop contente. Donc bah dites-moi si vous êtes abonné à ces box, qu'est-ce que vous avez eu dans vos box, qu'est-ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, est-ce que vous comptez vous abonner via mon lien ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, si vous voulez en profiter, c'est en dessous, bien entendu, c'est simple, cliquez dessus, ça vous emmène directement sur la page des box.
Voilà, donc dites-moi tout, je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et puis surtout, rendez-vous, bon, on se retrouve mardi à 10h pour l'instant, pour la dernière vidéo de janvier avec la wishlist du premier trimestre 2019. Ouais, ma wishlist. Et vendredi 1er février à 18h. Voilà, comme convenu et comme décidé avec mes favoris du mois de janvier. Donc, bah écoutez, passez un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!